Salut tout le monde, c'est Ethan 1975 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel comment créer son jeu Pokémon. Et aujourd'hui on s'attaque à quelque chose de plutôt simple, on va dire, par rapport à ce que j'ai fait autour. Je parle de l'apparition des Pokémon sauvages, donc qui est plutôt facile à paramétrer dans un sens, puisque si vous utilisez des chipsets déjà pré-enregistrés, ce sera relativement facile. Par contre, si vous utilisez des chipsets que vous avez créés vous-même, ce sera un tout petit peu plus complexe, vraiment un tout petit peu. Donc alors, on va tester. Donc d'abord, on va faire sur notre map test, puisqu'on avait déjà posé des hautes herbes. Et voilà. Alors donc déjà, juste pour que vous sachiez, dans le truc basique, il faut, je crois, aller dans... non, je sais pas où c'est. Voilà. Donc vous cliquez sur terrain, dans les chipsets, vous cliquez sur terrain. Et vous voyez que les hautes herbes ont un terrain de 1 et l'eau un terrain de 7. Donc c'est en fait spécialement fait pour les Pokémon sauvages. Donc c'est volontaire. Donc c'est pour ça que si jamais vous créez un nouveau chipset avec des hautes herbes et de l'eau, n'hésitez pas à remettre le 1 et le 7 pour l'eau et les hautes herbes. Donc voilà, c'était juste si jamais vous aviez créé vos propres chipsets, mais généralement on va plutôt utiliser les basiques quand on va faire une route simple. Donc voilà. Alors voilà, donc là on a nos hautes herbes. Alors du coup ensuite on va paramétrer les rencontres de Pokémon sauvages. Donc on en a déjà quelques-uns. Alors déjà on va juste faire un espace. Voilà. On va juste faire un petit espace. D'ailleurs, on va passer, on va baisser le son. Voilà. Donc on a juste fait un petit espace entre ceux-là parce que c'était autre chose. Voilà. C'était nos autres Pokémon. Alors, et puis donc, pour les hautes herbes, ça va être exactement la même chose. Enfin, presque. C'est simplement, en premier, vous mettez le numéro donc de la catégorie. C'est-à-dire, ou des Pokémon dans l'eau, ou des Pokémon dans les hautes herbes. Donc nous, actuellement, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est les hautes herbes, donc on met 1. Slash, bon bah là vous renommez comme vous voulez, hein. Donc comment on va mettre herbe test, on va mettre herbe test, qu'on vérifie bien, alors oui, donc voilà, et ouais, on va reprendre juste ça parce que c'est plus simple, on va reprendre juste ça. C'est donc vous mettez si vous voulez faire manuellement script 5, 2 espaces, hashtag, espace, écart de niveau. Et en fait, c'est l'écart de niveau qu'il va y avoir entre vous et les Pokémon. Mais après, du coup, c'est l'indice de rareté, je crois. Pour l'autre, ouais. Pour le autre, il me semble que c'est l'indice de rareté. Il me semble. Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est un 10 de rareté. Donc voilà. Donc là, on va ajouter des Pokémon sauvages dans nos herbes. Donc nous, évidemment, on va mettre des Pokémon un peu pourris. Donc voilà. Aspicot, Roucoul et Rattata. Voilà. Là, on a tous les Pokémon. Et alors, du coup, là, faut qu'on remplace. Parce que du coup, c'est pas du tout ça. Alors donc on va dire chenipan, on va dire que chenipan ça va être le plus rare. Donc on va mettre 7 pour le niveau. Et on met une virgule espace, il me semble, attendez, je suis pas sûr à 100%, si c'est ça, virgule espace. Et on met virgule espace. Et l'indice de rareté, donc nous on va le mettre à 5 pour chenipan. Comme ça, ce sera très dur de le trouver. Alors ensuite. Pour Aspicot, bon, on va mettre même niveau, sauf que lui, on va lui mettre un indice de rareté beaucoup plus grand. On va le mettre à 20. Et sinon, après, vous n'êtes pas obligé de mettre un indice de rareté, mais moi, je préfère en mettre un. Comme ça nous permet d'avoir une sorte de tri sélectif. Alors, Roucoul, on va mettre niveau 6 parce que Roucoul, il est nul. Et lui, on va le mettre en grande quantité, exactement comme Rattata. On va faire exactement la même pour Rattata. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc Rattata est... Et Roucoul. Voilà, donc là normalement on a paramétré donc les herbes. Et ensuite il vous suffira de faire clic droit sur la map, propriété de la carte,
et vous allez ajouter une rencontre adresseur et celle que vous avez paramétrée évidemment. Ok, on enregistre, on fait ok et on va pouvoir tester si ça fonctionne bien, même si normalement c'est censé fonctionner à la perfection. Oui, sauvegarde de secours détecté, mais bon, merde. Parce que ça avait crashé la dernière fois. Mince. J'ai fait une petite boulette. Pardonnez-moi. Voilà, là, je devrais démarrer. Oh. Voilà. Et donc du coup, nous on fait nouvelle partie. Attendez, je sais plus. Non, c'est ça. Oui, on avait, voilà, on avait déjà une partie. Et donc, on a un Pokémon sur nous, il me semble. Oui, c'est ça. On a notre Arco niveau 10. Et normalement, si on se balade dans les hautes herbes, ça devrait fonctionner. Normalement. Ah oui, normalement l'indice de rencontre des Pokémon sauvages, il est de base. Et donc là, ça fonctionne pas, super. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Pourtant, ouais, pourtant j'ai cliqué au bon endroit. On va bien vérifier map test, oui. Ah ouais, on va réduire le taux de pas moyen, 25, c'est bien. Après, c'est un truc qu'il faut. Ah oui, écart de niveau, ouais. On va réduire juste l'écart de niveau. Au lieu de mettre 5, on va mettre 3. Comme ça, il y aura plus de chance. Voilà. Bon, normalement, c'est comme ça que j'ai fait sur mon vrai jeu Pokémon. Donc, j'espère que 30, c'est suffisant, normalement, comme indice de rareté. Il me semblait que c'était 30 le maximum, mais je commence à avoir un doute. Voilà. Ah bah voilà, quand on met les pas à 25, c'est beaucoup plus simple. Et normalement, on devrait tomber sur Roucoule ou Ratata. Bah voilà, j'avais raison, on est tombé sur un Ratata. Donc nous, on va fuir. Tac. Voilà, nouveau Pokémon sauvage. Et cette fois, peut-être autre chose. Aspico, voilà. Donc Aspico, on lui avait mis 20 ou 25, je me rappelle plus. Et du coup, c'est le même principe. On a trouvé quand même. Voilà, on a trouvé Aspico. Mais normalement, Chenipan, c'est rare après. Des fois, il y a des coups de chance. Si. Voilà, donc c'est ce que je disais. Normalement, on tombera uniquement. Enfin, si on cherche pas longtemps, on tombera uniquement sur Aspico, Roucoule ou Ratata. Et pas sur Chenipan. Parce que normalement, du coup, j'ai mis un indice de rareté de 5. Et que c'est rare. Ou pas. D'ailleurs. D'accord, bon, il y a quelques exceptions, c'est je crois que c'est peut-être à cause de l'indice de rareté, il faut augmenter, si vous trouvez le Pokémon rare de la zone très facilement, dans ce cas il suffit juste d'augmenter l'indice de rareté des autres, par exemple voilà, Roucoule et Ratata, on les met à 50, et voilà, et normalement ça fonctionne, donc voilà pour l'apparition des Pokémon sauvages. Donc c'était plutôt relativement facile. Ce tutoriel, c'était un des plus faciles et un des plus courts, je trouve. Donc voilà, on quitte. Donc voilà, ce petit tutoriel est terminé. Donc rapide certes, mais utile, puisque les Pokémon sauvages, c'est quand même le truc le truc principal dans le jeu Pokémon quand même. Faut pas déconner. Donc voilà, bien entendu, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu sous la vidéo si ça vous a été utile. Des commentaires bien sûr comme d'habitude si jamais vous trouvez que j'ai oublié des choses ou si vous avez un problème lorsque vous paramétrez vos Pokémon sauvages, voilà, ça je pourrais peut-être toujours vous aider. Et bah bien entendu, si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à ma chaîne. Sur ce les gens, je vous dis qu'une chose, au prochain tutoriel et salut tout le monde.